ou même qui Chili, Brésil, Guyane, Argentine, Pérou, Colombie, Venezuela et la Trier, juste pour me citer si là seulement, parce que nous connaissons les Haïtiens de tous côtés. Eh bien, mauvaise nouvelle pour nous. Si tout ou même qui est projet pour prendre route forêt d'Arien pour traverser rive Panama et puis tout de Panama pour continuer pour rive Mexique avec objectif pour entrer dans paradis qui c'est la caille Biden. Nouveau président Panama qui c'est José Raúl Molino signé accord. Gouvernement monsieur a signé accord avec États-Unis. Gentan gen 6 millions dollars qui gentan investi là côté États-Unis mandé pour freiner flou migratoire migrant qui prend route là traverser forêt pour arriver États-Unis. Alors vous même compatriotes moi frèm haïtien et moi fais vidéo ça spécialement pour vous. Ou si vous avez un projet fait route là, si vous ne voulez pas tourner la caille, parce que vous dites déportation, c'est dans le pays d'origine où vous avez voyé, même si vous avez une résidence pays où vous sortez, c'est Haïti qui a déporté. Si vous ne voulez pas tourner la caille, pour Jean Bagayoye là, posez côté vous. Comme Nicaragua lui-même, il va prendre pression dans les États-Unis, si vous avez un avion dans le pays où vous pour aller à Nicaragua, faites-le. Mais pas faire forêt. Dans le jour qui s'est passé là, dans le mois d'août là même, premier vol déportation sorti dans le pays Panama, c'était pour Colombie. Environ 29 migrants illégaux parmi eux, des visages connus, qui ont cherché, qui fait partie des clans qui ont eu des problèmes dans l'activité délinquant dans le pays Colombie. Ce n'est pas seulement Mounza qui a déporté, non? Yo fait qu'on est que ou té un moun que la justice t'a cherché ou pas de pour pile territoire panaméen illégal déportation assiré. Alors moi te dit faut que moi lancer message là parce que me connais gien pile frère Maxem qui même écrit déjà qui dit me Léon a tel mois m'a venir c'est dans route là m'a passé m'a sorti Brésil m'a sorti Chili. Alors moi averti nous pour que nous capable échanger idée, faire un plan B. Parce que déporter ou aller à Haïti actuellement, côté gen moun ki gen visa Brésil nan mais ou pa ka voyager. Gen moun ki Chili fin fè processi jwenn visa pou madame yo petit yo, Mario entrer Chili ou pa kapab, pa gen visa dominicain. Ki se couloir nou te kapab utiliser pour que nou te kapab tourner nan pays côté nou résider a, mais malheureusement bagay yo anmen nan moment là. Ou moun ki tombe à Haïti là nan moment là. Tout n'est quitté Haïti là pas facile pour. C'est tout même qui sorti Chili Brésil. Nous même ici dans pays Mexique, y en a un plus gros problème que nous même qui commence créer une communauté ici là, ça qui était déjà là qui poko naturalisé, qui résidait pas un visa dominicain, aller la caille vient pratiquement impossible dans moment là parce que pas un vol direct Haïti Mexique. Alors, président panaméen, nouveau président, pas venu pour jouer. Et clairement, les gens qui nous voient dans le commencement de la vidéo, dans des sites de nouvelles et sous fiable, c'est un accord qui s'y est entre Panama avec États-Unis pour ne pas quitter les migrants illégaux traverser le pays pour aller aux États-Unis problème, aller demander asile aux États-Unis. Et il y a un vol qui va le faire dans le jour qui vient là, toujours Colombien qui va le faire tourner. Et il y a une raison qui fait que les Opokovo et Vénézuéliens tournent tout à coup déporté, c'est parce que il y a un petit problème de diplomatie entre les deux pays là. Nous connaissons que Maduro fait monter là, il est réélu, bah, ça fait un paquet de parler en pile. Ça fait que atterrir un avion sorti Panama, atterrir un avion là, Maduro, pas facile dans le moment là. Elle dit il faut que je nous entende quand même pour ça capable fait. Alors c'est ça qui me dit il faut que moi annonce nous ça. Nous connaissons la plateforme Léon Achoa là pour chercher information parce que moi gagne pile monde qui pote intérêt
dans des vidéos qui m'a fait côté m'a bail information et orientation sur Mexique, mais aussi si nous gain nouvelle et côté nous capable avertir, nous capable aider prévenir des difficultés pour même qui t'a remé venir Mexique. Alors, c'est devoir nous pour nous faire travail là. Mais pendant m'a fait travail là, tout faut qu'on encourage. Nous gain objectif avant et à finir sur channel YouTube là, nous gain 32 000 abonnés. Nous besoin arriver dans 100 000 abonnés. Abonnez, invitez l'autre monde. Et aussi sous page Facebook là, nous avons 116 000 là. Nous franchi. Tout en nous gain plus monde sur plateforme là. Ce travail là qui est bien fait et puis nous avons encouragé Léona continue fait travail là. M'a répété encore, ou même qui te gain plan passer dans forêt d'Arien entre Colombie avec Mexique et Panama, excusez-moi, pour venir ici de Mexique. Repensez bagaille, cherchez l'autre couloir parce que si vous prenez pied au Panama, déportation assurée pour vous dans pays d'origine. Quand y a la question que nous capable poser, bon Léona pas qui moyen. Vous pensez que un monde qui a transité Panama, bon, c'est très facile. Dans pays côté où il y a, elle fait demande d'un visa transit Panama. M'pa connais ou même qui gagne résidence permanente Chili a, est-ce qu'il y a accès pour transiter Panama sans visa. Mais selon yon témoignage yon partenaire moi et qui te dit non, pas quoi gen accord ça, ou obligé besoin visa transit là. Et bien faire démarche visa transit. Nicaragua toujours ouvre porte li pour nous, li pas fermé pour haïtien. Checker un visa transit ou ka transiter de Panama pour capable atterrir Nicaragua. De là on va continuer faire route là. Pays ça ou li pas un problème avec nous. Et ou même qui Brésil, m'pa konnen tout si tout fò gen accès, ou même qui si tout qui naturalisé déjà, est-ce qu'on ka transité Panama sans visa? Sou ou ka fèl pa ale nan forêt a. Alors pour moun ki réside ou tout m'pa konnen. Yon moun ki Brésil là, s'il vous plaît, kite un commentaire. Est-ce que yon moun ki gen résidence permanente Brésil là et ka transité Panama ou di mwens ka pran vol direct ale Nicaragua? Et ane ki sot pase a la, gen yon zanmi ki te pran famili. Yo tout gen passeport brésilien, yo te vle fè direct pou pi facile, yo te rentré Guatemala. Yo gen accès sans visa pour rentrer, lè ou rive malheureusement ou te voye ou tourner. Parce que tu déjà comprendre que c'est route là ou t'a pral prendre pour yo te capable. Bon, pas route là. Yo t'a pral traverser de Pana et de Guatemala, excusez-moi, à Mexique. Alors, l'autre monde qui dans l'autre pays tant que Colombie, gen haïtien qui Colombie qui réside là-bas. Et la Guyane, etc. Je pense que si c'était facile, yo pas ta point route d'arrière. Mais par rapport à couloir Nicaragua, je pense que nous ka transité. Après ça, gen moun ka parlé de Salvador là tout, bon ça li mpoko clair sou li, mais gen des moun ki di oui, yo fait transit sans visa étant Salvador, mais c'est pour qu'arrive Nicaragua. De Nicaragua yo et traverser. Après ça, ou même qui gagne un passeport dominicain en main ou pas besoin visa pour aller Salvador, de Salvador ou Cajambe et Guatemala, selon quelques amis que me gagne et haïtien qui fait là-bas qui t'est arrivé joindre et passeport et dominicain. Oui, nous gagne des haïtiens qui gagne passeport dominicain, c'est dollar dominicain normalement, qui arrivé joindre chance ça pour qu'il au fait route ça comme ça, ou prend avion de République dominicaine atterri Salvador, de Salvador passé par Guatemala. Dernièrement, dernier monde qui sorti avec passeport dominicain, li dit m'était obligé aller Nicaragua pour pi assurer toujours, li pas faire directement de Salvador à Guatemala, de Guatemala à Mexique, OK? Alors merci d'être que t'attendem là et gars message là, puis partager vidéo, quitter commentaire, bye vidéo un like et puis pas oublier ça c'est Léona Show, la vie haïtienne dans pays Mexique, la vie haïtienne tout côté. Léona Show tout côté après dans une autre vidéo. À la prochaine.